Salut, 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 bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les abonnés, bonjour à tous ceux qui suivent la page Fraternité. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous, bien évidemment, de partager cette vidéo, de amener cette vidéo très, très loin. Parce que on ne sort pas pour sortir. En matière de politique, on ne sort pas pour sortir. Quand on sort, c'est très dangereux. La sortie, elle est dangereuse. Et nous sommes dans la dangerosité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à vous maintenant, mes frères et sœurs, de faire le barrage. Parce qu'on va aller, dans l'actualité, on va aller dans ce qui est d'actualité. Voilà. Je suis très content, très heureux d'être devant vous ici. Je salue au passage le vieux père de la Pétrosie. C'est-à-dire, le vieux père de la Pétrosie à Abidjan, M. Doumbia. Doumbia de la Pétrosie à Abidjan. Dites bonjour, dites merci plutôt à M. Doumbia, celui-là même, hein, qui s'occupe de Charlie Parker à Abidjan, qui lui donne des bons de carburant. Ça veut dire, tout mon séjour que j'ai fait à Abidjan, le carburant pour mettre dans ma voiture, je n'ai pas payé 5 francs. C'est Doumbia de la Pétrosie, le vieux père, qui m'a donné tellement de bons essences. Je ne sais même pas si ça arrive, 200 000 francs pour mon séjour. Donc, salut au vieux père. Voilà. Parce que quand tu es dans la vérité, avec le président Alassane Ouattara, avec Ado, quand tu es dans la vérité et quand tu défends Alassane Ouattara, corps et âme, tu ne tapes jamais poteau. Quand tu défends Alassane Ouattara, quand tu défends Ado, le Prador, le président de la République de Côte d'Ivoire, celui-là même qui fait tout pour que les Ivoiriens soient des enfants respectés dans tout le monde entier, c'est le président Alassane Ouattara qui permet que les Ivoiriens soient respectés aujourd'hui à l'extérieur de la Côte d'Ivoire par rapport à son leadership, par rapport à sa dynamisme, à son succès. De tout ce qu'il entend, il entame en Côte d'Ivoire pour faire du bien à la Côte d'Ivoire. Parce que ce président formidable que nous avons, Alassane Ouattara, on va le regretter. Un jour, vous allez venir me dire ici que Charlie Parker a dit, mais on allait regretter le Prado. Aujourd'hui, là, vous ne voyez pas ses bienfaits. Aujourd'hui, là, vous ne voyez pas les bienfaits du Prado. Parce que vous êtes aveugle. Vous êtes tellement aveuglé par la prise de pouvoir, par la force que vous détestez, celui-là qui est là, qui ne cherche pas par là. Ado ne cherche pas de parler avec ses enfants. Ado ne cherche pas de parler avec les Ivoiriens. Ado même, malgré que vous l'insultez, Ado n'a jamais manqué du respect à Gbagbo Laurent. Malgré que vous les vilipendez, Ado n'a jamais manqué de respect à Henri Conan Bédié. Ado ne manque pas de respect aux gens parce que c'est son éducation. Il a été tellement bien éduqué qu'aujourd'hui, il fait mains et pieds pour rester dans son canevas. Et voilà pourquoi nous, on a choisi ce monsieur parce qu'il y a eu trop de mensonges. Il y a eu trop de mensonges sur Ado. Les gens ont menti sur Alassane Ouattara. Ils ont menti sur lui parce qu'ils connaissaient sa compétence, sa puissance pour développer la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, partagez la vidéo pour qu'on puisse aller dans le sujet. Partagez. Voilà, on m'a restreint. Partager, on va aller véritablement dans le sujet de la vidéo, c'est important. Mes frères et sœurs,
de vous à moi, vous avez vu la dame qui a été braquée à Abengourou. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez eu connaissance, vous avez eu vent de ce que il y a une dame qui a été braquée à Abengourou? La dame qui a été braquée à Abengourou, là, c'est les deux braqueurs qui ont braqué la somme de 10 millions, là. Ces deux braqueurs ont été rattrapés. En moins de 24 heures, ces deux braqueurs ont été pris. Parce que le président Alassane Ouattara a mis en place une vidéosurveillance nationale. Une vidéosurveillance nationale. Les caméras sont partout. Les gens me disent, non Charlie, c'est Abidjan seulement, c'est Abidjan seulement. Les caméras, Abengourou là, c'est pas Abidjan. Abengourou, c'est pas Abidjan. Mais Alassane Ouattara a mis caméras, vidéosurveillance à Abengourou qui est à l'intérieur du pays. Dans toute la Côte d'Ivoire. Et ces braqueurs ont été pris en moins de 24 heures grâce à l'émergence, grâce à tout ce qu'Ado met en place pour sécuriser les Ivoiriens. Ado a dit, dans ce mandat-là, mais sa préoccupation principale, ça sera la sécurité des Ivoiriens. Ado a dit, dans ce mandat-là, ça sera sa priorité, c'est la sécurité des Ivoiriens. Et il le fait si bien que nous, on n'a pas de mots à dire. On n'avait pas de mots à dire pour plébisciter Alassane Ouattara. C'est en cela que Charles Blé Goudé, quand Charles Blé Goudé foule le sol de la Côte d'Ivoire, quand Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé a une attitude d'un homme de paix. Il a une attitude d'un homme qui veut véritablement combattre ceux qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, Charles Blé Goudé prend la parole pour dire que lui, il va se dresser contre celui qui va vouloir faire un coup d'état en Côte d'Ivoire, moi, Charlie Parker Fraternité, là, j'ai venu m'en prendre à Blé Goudé, pourquoi? Moi, Charlie Parker Fraternité, je vais venir m'en prendre à Blé Goudé, pourquoi? Quelqu'un qui prend la paix, quelqu'un qui prend le vivre ensemble, quelqu'un qui veut se dresser contre les déstabilisateurs de la Côte d'Ivoire, on doit l'acclamer. On doit acclamer chaque Blé Goudé. On ne va pas rester là pour remuer le couteau dans la plaie, pour penser au passé. On ne va pas tout le temps remuer le couteau dans la plaie pour penser au passé, pour dire non, Blé Goudé a fait ci, il a fait ça. On n'est plus dedans. Ado a beaucoup pardonné à tous ses bourreaux. Alassane Ouattara, il a pardonné à tous ses bourreaux. Alassane Ouattara pouvait avancer. Et nous, on est dans ce bateau-là pour pouvoir prôner le vivre ensemble avec le Prado. Avec Ado, n'ayez peur de rien. Avec Alassane Ouattara, n'ayez peur de rien. Parce que Ado permet qu'aujourd'hui, là, il ne peut pas avoir coup d'état en Côte d'Ivoire. Il ne peut même pas avoir une partie d'un territoire qui va être récupéré, qui va durer plus d'une heure du temps. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ado n'est pas un président pour vous dire, dormez, je vois le dos du nageur. Ado n'est pas dedans. Dès que tu commences à prendre ton maillot, tu veux nager net, on t'attrape. Dès que tu commences à changer, prends ton maillot là, nous on t'attrape. On n'est pas là. Gérer un pays, ce n'est pas de l'amateurisme. Ce n'est pas de l'amateurisme. Gérer un pays. Voilà. Mes frères et sœurs, partagez la vidéo. Aujourd'hui là, c'est gâté. C'est gâté. Cette malienne, cette guinéenne qui est la guêpe. Cette guinéenne qui est la guêpe. Une voleuse notoire. Une voleuse notoire qui est la guêpe. Celle-même qui allait en Côte d'Ivoire dans le temps, au temps jadis. Et qui a même volé portable, téléphone portable d'une de ses sœurs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le karma se retourne contre elle. Elle vient inventer des choses. Non, on m'a volé, mais c'est ceci, c'est là, j'ai volé mon passeport. Du n'importe quoi, mes frères et sœurs. Mais on va en venir, ça c'est même pas le sujet. Mais c'est gâté aujourd'hui au GPS. C'est gâté sur Soro qui m'a fourni Guillaume. C'est gâté sur Soro qui m'a fourni Guillaume. On a tellement donné des conseils. Mais les gens pensaient qu'on est là pour attaquer nos frères pour les rien. On a tellement donné de conseils à Soro Guillaume. Les gens pensaient qu'on détestait trop Soro Guillaume. Non. Nous, on n'est pas là pour détester quelqu'un. Nous, là, on n'est pas là pour détester quelqu'un. On va écouter une première vidéo. On va écouter une première vidéo. Mais je demande à ce que vous mettez des cœurs parce que vous voyez, non, il y a beaucoup de têtes de moi. Voilà, salut à vous. Mettez des cœurs parce que la page a été restreinte pour une semaine. Donc, je vous exhorte à partager. Et voilà,
Parce que je ne vais pas rentrer dans le sujet sans vous dire ce qu'Alassane Ouattara fait pour les Ivoiriens. Je ne vais pas rentrer dans le sujet pour vous dire ce qui est Addo. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont bloquées dans la tête, qui ne savent pas qui est Addo. Il y a beaucoup qui sont bloqués dans la tête, qui ne savent pas qui est Alassane Ouattara. Et c'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. Quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui est là pour travailler pour vous, et puis vous le vilipendez, vous voulez sa chute. Moi, j'ai mal. Quand je vois mes frères qui ne réfléchissent pas, j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal et j'ai mal. Aujourd'hui en France, là, on ne cherche même pas l'ethnie de Macron. Aujourd'hui en France, là, on ne cherche pas l'ethnie de Marine Le Pen. On cherche ce qui est dans le programme, dans la tête de Marine Le Pen. On cherche ce qui est dans la tête de Macron. Qu'est-ce que Macron veut faire pour les Français? On cherche ce qui est dans la tête de Jean-Luc Mélenchon. On ne cherche même pas son ethnie. On ne cherche même pas d'où il vient. On cherche à savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour l'avancée de sa nation, de son peuple. Mais on a des gens d'Ivoiriens là. Aujourd'hui, eux, tant que tu n'es pas du même ethnie que eux, on ne doit pas te soutenir. Quand moi, Charlie Parker Fraternité, un jeune athée soutient les actions du président Alassane Ouattara, on dit qu'il est vendu. Oh, tu es vendu. Oh, pourtant, il n'y a pas de vente. Oh, pourtant, il n'y a pas de transactions bancaires. Il n'y a pas de vente. Jamais. Addo n'a jamais obligé quelqu'un à faire vidéo. Les gens pensent que vous êtes payé, on n'est pas payé. Vous pensez qu'on est payé là. Mais matin, midi, soir, on prend la caméra, venir inventer des choses là, toi. Jamais Addo est dans la magouille. Alassane Ouattara, que tout le monde connaît, qui a fait ses études aux États-Unis, jamais il n'est dans la magouille. Jamais il sera dans la magouille et jamais il va payer les gens pour venir attaquer qui que ce soit. Addo n'est pas comme ça. Vous le savez très bien, mais vous faites exprès. Vous savez, vous connaissez qui est Alassane Ouattara. Vous faites exprès. Addo, là, il ne rentre pas dans la magouille. Ce n'est pas un magoueur. Addo a grué de lui-même. Il s'est battu corps et âme comme un enfant intelligent pour arriver là où il est aujourd'hui. Quelqu'un qui veut prendre une bourse d'études pour pouvoir aller aux États-Unis pour faire ses études, dès lors qu'il quitte la Côte d'Ivoire, il va pour prendre une bourse d'études au Burkina pour aller aux États-Unis pour étudier. Vous dites qu'il est étranger. Oh, il est burkinabé. Parce que vous, là, si c'était vous, on vous dit, vous êtes Ivoirien. Et puis, on dit, pour avoir bourse d'études, actuellement en Côte d'Ivoire, c'est un peu fermé. Mais il y a une bourse d'études qui vous attend au Burkina pour que vous puissiez aller aux États-Unis. Vous allez prendre l'avion tout de suite pour descendre au Burkina. Pour tout faire pour avoir cette bourse d'études-là, pour aller suivre vos études aux États-Unis. Quand Addo a fait ça, on dit, oh, il est burkinabé. Il n'est plus Ivoirien. Il est burkinabé. De vous à moi, quel Burkinabé qui est présent en Côte d'Ivoire et puis qui ne réalise même pas son pays Burkina. Depuis que Addo est là, vous l'avez vu faire des ponts au Burkina, vous l'avez vu faire des routes au Burkina. C'est pour vous dire, vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien dans la tête. Voilà, Addo, c'est un vrai Ivoirien 100%, un vrai Ivoirien matin, midi, soir. Quand Addo pisse, pipi que papa Addo fait là, quand Addo fait pipi là, c'est orange blanc vert qui sort dedans. Orange blanc vert qui sort dans pipi là. C'est orange blanc qui sort dans pipi d'Addo. Voilà. On va suivre ici le mensonge aujourd'hui du GPS. Vous allez comprendre ce qui se passe. C'est gâté et ça ne nous étonne pas. Voilà. Suivez. À faire mes rencontres, arrivé à un certain moment donné, cette dame, Annie, elle a voulu, vous allez voir si vous allez sur ma page, j'ai fait un petit direct, c'est même pas un direct que je recorde, que j'ai balancé, où j'ai dit, ah voilà, je suis à Bamako, tout se passe bien, tout et tout, et elle-même, j'ai lui à la mettre dans le direct, et dit, oui, va bien, tout se passe bien, et tout. J'ai eu à faire mes... Mettez le cœur. Pendant que je partais à certaines rencontres, elle voulait être avec moi. Elle voulait faire part de mes rencontres. Elle voulait se gérer dans mes problèmes. Elle voulait se gérer elle voulait aller dans les rencontres avec les personnes, voilà, qui voulaient me voir, qui voulaient échanger avec moi. Et arrivé à un certain moment donné, j'ai senti que non, voilà, moi je suis la guêpe. Je ne me lance pas des fleurs, mais il y a certains endroits où je veux partir, où je veux me mettre à l'aise, où je veux dialoguer, où je veux communiquer, voilà, avec ces personnes. Mais je ne peux pas emmener une troisième personne avec ces personnes parce qu'on ne sait jamais. Et en matière de politique, on le dit tous les jours que la parole est ce qui te libère et la parole... Écoutez, hein. La parole est ce qui te libère et la parole est ce qui te condamne. Donc, je ne veux pas être mise dans une posture
j'en vois quelqu'un aller saluer, où j'en vois quelqu'un aller rencontrer quelqu'un, et je pars avec une tierce, une seconde personne qui n'est pas sur la liste, ou bien une seconde personne que la personne qui m'invite à aller échanger ne connaît pas. Et moi, je ne le, je ne le fais pas. Donnez-moi une seconde. Attendez, on va avancer. Vous allez comprendre quelque chose, c'est important. Voilà. Ils m'ont rappelé, ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passe. Je dis oui, je suis là. Et j'ai mon passeport qui a été volé. En fait, tu l'as pas... Non, mon passeport a été volé. Voilà, dans la maison où je suis et tout. Ils disent, ok. Ah, comment elle est vilaine, on dirait un homme. Elle est vilaine, vilaine même, on dirait. On dirait une chose. Je suis en sécurité, oui. Et c'est en cela que je vais me dire, oh, et fort que je remercie les autorités maliennes. Écoutez, Petit Seydou. Écoutez, Petit Seydou, s'il vous plaît. Je remercie Assimi Goïta, je remercie le ministre de l'Intérieur, je remercie Ablaï Maïga, je remercie toutes ces personnes qui ont été là pour assurer ma sécurité. Et je dormais tranquille, je n'étais vraiment pas inquiétée. Je le dis tous les jours et fort que le Mali d'aujourd'hui et le Mali d'hier n'est pas pareil. Et moi, la guerre étant sur le territoire malien, j'ai su vraiment que le Mali, la confirmation de comment on appelle de ça, que vraiment le Mali d'hier et le Mali d'aujourd'hui, là, c'est pas pareil. Côté sécurité, j'étais vraiment bien. On m'a mis dans un endroit qui était vraiment sécurisé. J'étais vraiment à l'aise. Je n'avais pas de problème. En tout cas, j'ai dit merci au gouvernement malien. Allons-y, allons-y, allons-y. Accélérons. Non. Petit Seydou, il faut accélérer là. Petit Seydou. Profond de mon cœur, vous avez prouvé, vous avez démontré par A plus B que je suis une de vous. On dit ok, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas donner les détails des autres choses qui se sont passées, tout, mais je vais m'arrêter sur ce côté, sur ce volet. Accélérons. Le lendemain, j'appelle le commissaire et le commissaire me dit, ah, je viens de recevoir un coup de fil. De celui chez qui vous êtes descendu, qui dit non que elle a appelé Ben pour lui dire qu'elle est arrivée à Abidjan. Donc, elle a fui. C'est que quand on lui a remis la convocation. Accélérons. On lui a remis la convocation. Hein? Le vendredi après-midi, vers les 13h, 14, midi 13h par là, je pense bien. Oui, oui. Et je lui ai remis la convocation. Hein? Automatiquement, elle a pris la. Ah bon? Elle a quitté. D'après ce que a été dit, elle a fui Bamako. Elle n'a pas voulu se présenter, voilà, devant les autorités. Ah bon? Si tu n'as pas pris le passeport de quelqu'un, et je lui ai dit, j'ai le passeport américain. Quand j'ai appelé les autorités américaines, écoutez, le passeport américain a un chip là-dessus qui peut détecter où le passeport se trouve. Le passeport américain. Il y a un chips là, un petit truc dans une puce là, qui a toutes les données qui peut détecter la localisation d'un passeport américain partout dans le monde entier. Même si tu es au plus fin fond de ton village, on peut détecter où le passeport est. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit, mon passeport a été géolocalisé dans la zone où nous sommes. J'ai dit, s'il te plaît, donne-moi mon passeport. Je ne vais pas faire de bruit, je ne vais pas parler. Tu veux, je vais laisser, je te laisse dans le soutrain. Toi-même et ta conscience, vous allez gérer. Mais remets mon passeport. Écoutez, Petit Seydou. Non, elle n'a pas pris. Elle a, comment on appelle, elle a la carte de séjour italienne. Elle n'a rien à voir. Elle a fait quoi mon passeport? Elle ne peut pas voyager. Je dis, écoute-moi. Je te demande de me donner mon passeport. Je dois voyager le dimanche. Remets-moi mon passeport. Elle n'a pas remis le passeport. Le lundi matin, je suis allée à l'ambassade. Je le dis haut et fort. Écoutez, le fait de prendre mon passeport n'était pas réellement sécurisé cette vidéo-là. M'a fait le plus mal. Je suis allée à l'ambassade des États-Unis à Bamako. J'ai eu mon passeport en moins de 3 ans, d'autant plus lundi. Écoutez, Petit Seydou. Qui dit, elle a eu son passeport à l'ambassade en moins de 3 heures du temps. Écrivez, mes frères et sœurs, avant que je ne parle. Écrivez. Si
quel que soit ton rang, on peut te délivrer un passeport dans une quelconque ambassade en moins de 3 heures du temps. Écrivez en commentaire, mes frères et sœurs. Écrivez en commentaire. Je ne sais pas si c'est moi qui n'a pas une réflexion poussée. Dites-moi, dans quelle ambassade au monde qu'on peut te remettre un passeport en moins de 3 heures du temps? On peut te remettre un passeport, même pas un laissez-passer. Si petit Seydou venait nous dire qu'on lui a donné un laissez-passer en moins de 3 heures, on peut comprendre. Donc, dans toute l'Amérique, c'est déporté pour établir un passeport pour petit Seydou en moins de 3 heures du temps. Sans prise de photo, sans quoi que ce soit, sans que ce passeport soit signé. En moins de 3 heures, elle reçoit un passeport. C'est génial ça. C'est formidable ça. Mais c'est tellement rapide que vraiment, ce passeport-là, il est express. Jamais je me suis renseigné. On t'a donné un laissez-passer. Et ça, c'est pas un passeport comme ce que dont tu dis tu as perdu. Hein. Si vraiment tu as perdu ton passeport là, ça là, ce n'est pas pareil. Ça s'appelle un titre de transport d'urgence. Ça là, ça s'appelle un titre de transport d'urgence. Et non un passeport. Parce que le passeport ne peut jamais se faire, ne peut jamais se faire en 3 jours. Jamais un passeport ne peut se faire même, non, il dit en 3 jours. En 3 heures du temps plutôt. En 3 heures du temps. Pendant que tu es hors de l'Amérique. Mais comment tu peux mentir? Et puis il y a les gens qui vont commenter, non, c'est vrai, c'est passeport d'urgence. Ce n'est pas passeport d'urgence. Soit elle n'a jamais perdu son passeport, elle nous montre son passeport. Elle n'a jamais perdu son passeport parce que elle veut quitter Soro et vous allez comprendre. Elle veut quitter Soro Guillaume et vous allez comprendre tout à l'heure dans l'autre vidéo que je vais vous montrer. Elle veut quitter Soro, donc il faut trouver des alibis, il faut trouver des arguments farfelus, des arguments qui ne tiennent pas la route. Donc, les Américains même, comme construisent l'Amérique, ils n'ont pas leur passeport en 3 heures du temps. Toi, petit Seydou, vagabond de ton état, prostitué aux États-Unis, c'est toi qui donner ton passeport en trois heures du temps. Toi, tu es qui? Tu es qui aux États-Unis là-bas? Tu es diplomate? Même diplomate, même là, on ne donne pas les passeports en 3 heures. Même les diplomates là, on ne donne pas les passeports en 3 heures du temps. Et toi, on t'établit un passeport en 3 heures. Aïe. Aïe. Le consul peut te faire un laisser passer. Vu qu'ils n'ont même pas pris tes empreintes. C'est-à-dire, voilà une personne, elle nous dit, quand ils ont fait son passeport, ils n'ont pas pris ses empreintes. Pour savoir si véritablement elle est américaine. Ils n'ont pas pris ses empreintes pour savoir si elle est américaine. Parce que tu n'as pas de papier. Donc normalement, le consulat doit prendre tes empreintes. On doit prendre tes empreintes pour savoir véritablement que tu es américaine. Moi, si je n'allais pas qu'à fraternité, j'ai perdu mon passeport français en Côte d'Ivoire, que je me rends au consulat, le consulat de France va commencer à prendre mes empreintes. Pour éviter trop de bavardage, le consulat prend tes empreintes parce que le passeport, il est biométrique. Et avec nos empreintes, il aura des informations sur moi, comme quoi, vraiment, je suis français. Et le consulat te demande, si ton voyage est impérieux, on t'établit un laissez-passer d'urgence. Si ton voyage est imminent, on te laissez passer et tu voyages. Moi, si je perds mon passeport en Côte d'Ivoire, je ne ferai pas de bruit. Parce que je suis français, je me rends au consulat, on prend mes empreintes, paf, on me donne un laissez-passer, je viens à Paris. Si je ne suis pas pressé, je vais faire 1 mois, 2 mois en Côte d'Ivoire, j'ai le temps de refaire un autre passeport et ça ne prend pas trop du temps. Ça ne prend pas 3 heures du temps pour faire un passeport. Tu es une menteuse, tu n'as jamais perdu ton passeport. Mais on sait pourquoi tu dis ça. Vous allez comprendre ici, mes frères et sœurs, dans l'autre vidéo, je vais vous montrer. Suivez. On poursuit. À l'ambassade des États-Unis à Bamako, on trouve
En 3 heures du temps. On m'a fait un passeport. On t'a fait un passeport. Tu allais à l'école. Est-ce que tu allais à l'école même? Pour vous dire que on ne peut pas me maintenir. Est-ce que tu allais à l'école? Quand je le dis haut et fort, je parle avec les citoyens. Péris, c'est d'où? Tu n'as jamais perdu ton passeport. Tu es une menteuse. On m'a fait un autre passeport sur le champ. C'est le RADP qui a envoyé des gens pour la piéger. Mais j'ai décidé, voilà, de rester un peu plus de jours. Et puis bon, ça a coïncidé, il y avait d'autres petits rendez-vous que je devais faire. Mon passeport allait dire aux personnes qui ont envoyé cette dame à quoi mon passeport, que la guerre a obtenu son passeport en 3 heures de temps. Tu n'as pas obtenu le passeport en 3 heures. Tu es une menteuse. Tu n'as jamais perdu ton passeport. Oui. C'est Soro. C'est Soro qui ne vous connaît pas. C'est Soro qui ne vous connaît pas. C'est Soro qui ne vous connaît pas. C'est ça le sutra. C'est ça qu'on dit que. On est arrivé quelque part. On est arrivé. Moi, je veux ou je ne veux pas. Je suis mise dans une posture aujourd'hui. Je ne peux pas me mélanger avec tout le monde. C'est pas pour faire le mal, c'est pas du bluffing. C'est une question de sécurité. Quel a été le pourquoi mon passeport a été pris? Écoutez. Mon passeport n'a pas été pris parce qu'on voulait empêcher la guerre de voyager. Oui, peut-être qu'ils se sont dit, ils ont le système français. Ça va lui prendre peut-être 2 semaines, voilà, et tout, avant de retrouver son passeport. Parce que même sur un poste que j'ai eu à faire, quelqu'un qui a dit que tu as duré. Mais pourquoi tu mens? Est-ce que tu es obligé d'avoir un passeport pour voyager? Si tu es américaine là, tu n'as pas besoin de ton passeport forcément pour revenir. Si ton consulat, ton ambassade est au Mali, tu n'as pas forcément de passeport pour venir. Moi, je vous dis une chose, mes frères et sœurs. Mon père, paix à son âme, mon père est parti en Côte d'Ivoire, il allait en vacances. Il logeait dans un hôtel. Et quand ses parents viennent le rendre visite, ils emportent, ils volent ses costumes, ils volent ses effets. Et ils ont volé son costume. Où dans son costume, il y avait ses papiers, son passeport, tout. Donc mon papa, c'était en 2004 par là. Donc mon père a perdu ses papiers. Mais mon papa s'est rendu, il s'est rendu au consulat. En ce temps, moi j'étais à l'ambassade, j'étais détaché à l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Et quand mon papa est parti à l'ambassade, il est passé par là pour me saluer. Il dit, papa, il a compris ton visage serré là. Ah, ils ont perdu son passeport. Mais il est allé là. Mais ils l'ont fait laisser passer. Et puis il est venu en France. Mais en France, il a fait son passeport tranquillement, en France, sans bruit. Est-ce qu'il est obligé de réclamer un passeport en Côte d'Ivoire obligatoirement pour voyager? Il est arrivé, ils ont pris ses empreintes. Ils ont pris ses empreintes, ils ont su que voilà, il est français, ils ont établi un laissez-passer. Ils lui ont même demandé, est-ce qu'il a les moyens de s'acheter un nouveau billet d'avion ou bien pour pouvoir, refaire son billet d'avion. Mon père dit, ils ont tout volé, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Donc mon papa, ayant dit qu'ils ont tout pris sur lui, il n'a plus rien. L'ambassade, le consulat, ils ont pris un nouveau billet d'avion. Pour mon père. Mon père n'a rien payé. Ils ont pris un nouveau billet d'avion pour lui. Plus un laissez-passer. Et puis il est venu à Paris. Mon papa a dit, s'il avait dit qu'il voulait s'installer en Côte d'Ivoire, s'il voulait s'installer en Côte d'Ivoire, on sait qu'il ne va pas tout de suite en France. Ils vont lui demander de venir faire un nouveau passeport. Et il va aller faire une déclaration de bête à la police. Avec la déclaration de paix, il va venir maintenant établir un nouveau passeport français, vu qu'avec les empreintes, on te retrouve. Ici, là, tous nos papiers ont fait là, c'est avec nos empreintes. Avec nos empreintes là, on nous retrouve. Ma carte dentaire française là, j'ai mis mes empreintes là-bas. Mon passeport, il y a mes empreintes. Si je perds tous mes documents, voilà pourquoi moi je vais à Abidjan. Je n'ai pas peur de perdre mes documents français. Parce que je ne suis pas résident français. Je n'ai pas été de séjour temporaire. Je suis un Français. Donc, si mes papiers se perdent là, mon cœur ne bat pas. Il suffit que j'appelle le consulat. On a un numéro privé. On peut appeler notre consulat matin, midi, soir. La première question, est-ce que tu es en danger? Est-ce que tu es en sécurité? Où tu te trouves? Si elle dit non,
ils vont envoyer, ils vont appeler le 43 Bima. Hélicoptère va venir me prendre sur place là. C'est comme ça. Même vous, les Américains, c'est pareil. Mais on ne peut pas t'établir parce qu'en 3 heures, toi, tu es qui? Pour tout en sachant que toi-même, tu as dit que tu n'es pas en danger. Tu as dit, selon toi, ils t'ont demandé, est-ce que tu es en sécurité? Tu as dit oui. Et puis, tu dis que tu es en sécurité, tu n'es pas en danger. Ils vont t'établir un passeport en 3 heures. Mais toi, tu es qui au PDCI? Toi, tu es qui au PDCI? Amen. Hein? On va écouter, mes frères et sœurs. On va écouter Pédis et Edou. Écoutons pourquoi il dit ça. Elle veut salir. Parce qu'avant de quitter le GPS, puisqu'ils ont vu que le GPS, ce n'est plus fructueux. Le GPS n'est plus fructueux. Pour détruire, pour partir hein, dans la clandestinité, en quittant leur parti, il faut créer des choses. Vous allez comprendre pourquoi. Suivez. Écoutez. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez très bien. Depuis que j'ai quitté la maison de Ben Souk, je suis très dessus de ce monsieur. Écoutez très bien. Ben Souk, c'est le bras droit, le gars sûr de Soro qui va fourrer Guillaume. Ben Souk, là, c'est le gars sûr, le bras droit de Soro qui va fourrer Guillaume. Pourquoi faut salir Ben Souk? Pourquoi faut salir Ben Souk? Parce que la personne, elle est en train de tracer son chemin personnel. Suivez. Le karma. C'est de ça qu'il s'agit. Alassane Ouattara. Depuis que j'ai quitté la maison de Ben Souk, je suis très dessus de ce monsieur. Oui, je suis très dessus de lui. Il y a certaines personnes que lui a la gueule, on est dans la même partie. Moi, je ne m'en garde pas de ça. Il y a certaines personnes qui vont dire, la guêpe, nous sommes de même partie, on a dit GPS, pourquoi tu fais ça? Elle dit, elle s'en gaba de ça. Petit Seydou dit, elle s'en gaba de ça. On dit, mais vous êtes de même partie politique, il faut laisser Ben Souk. Elle dit, elle s'en gaba de ça. Parce qu'elle a eu des gages de la part de son pays d'origine, qui est le Mali, de Assimi Goïta, pour faire la communication pour Assimi Goïta. Donc, elle a trouvé un autre point de chute. Elle a trouvé un autre endroit où on peut lui virer de l'argent. Elle allait pour un partenariat gagnant-gagnant avec le pouvoir malien pour qu'elle puisse recevoir hein, son salaire. Parce que le salaire qu'elle percevait au GPS, ça a été coupé depuis que commandant Abdoulaye Fofana a été pris à Abidjan. Depuis que le commandant Abdoulaye Fofana a été pris à Abidjan, Petit Seydou, la guêpe ne reçoit plus rien. Elle n'est plus mielleuse. Il faut signer un autre partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat gagnant-gagnant. Et il faut aller avec une démagogie pas possible. Mettre quelque chose en scène et puis se jouer la victime et puis casser la porte du GPS. Ado, on ne joue pas avec Alassane Ouattara. On ne joue pas avec Ado. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis que j'ai quitté la maison de Ben Souk, je suis très dessus de ce monsieur. Oui, je suis très dessus de lui. Il y a certaines personnes que lui a la gueule, on est dans la même partie. Moi, je ne m'en garde pas de ça. Parce que j'aurais pu perdre la vie. Ah bon? Toi, dans la même vidéo, elle a dit, quand elle a appelé le consulat là, le consulat lui a demandé, est-ce que tu es en danger? Est-ce que tu es en sécurité? Elle a dit, non, tout va bien. Assimi Goïta me sécurise, je suis sécurisé. Et puis elle dit, à cause d'une perte de passeport, elle a failli perdre la vie. Petit Seydou, tu es une menteuse hors pair. Petit Seydou, tu es une menteuse hors pair. Tu veux quitter Soro Guillaume? Il faut quitter Soro Guillaume comme les autres, tranquillement. La vie dans ça. Qu'elle a failli perdre la vie. Moi, je ne m'en garde pas de ça. Parce que j'aurais pu perdre la vie. J'aurais pu perdre la vie dans ça. Dans perte de passeport, là. Ce monsieur n'a jamais pris son téléphone pour m'appeler, pour me dire ma fille. Ou bien la guêpe. Donc, elle a perdu son passeport américain. Et tu dis que Assimi Goïta te sécurisait avec des garde-corps. Maintenant, comme Ben Souk t'a pas appelé, tu aurais pu perdre la vie. C'est-à-dire, toi, tu vas perdre la vie parce que ton passeport est perdu. Moi, je ne comprends pas cette partie-là.
Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, je ne comprends pas cette partie-là. Tu as perdu ton passeport, et tu dis que tu es sécurisé par Sami Goïta, et puis tu aurais pu perdre la vie parce que Bensou ne t'a pas appelé pour te dire Yako. Yako, tu as perdu le passeport, Yako. Oh, pourtant, on peut faire ton passeport en 3 heures du temps. Voilà, on peut faire ton passeport en 3 heures du temps et tu peux perdre la vie. Pendant qu'on fait ton passeport en 3 heures du temps, toi, la guêpe, la gauche d'Antra, la gauche du Drani, tu peux perdre la vie là-là. Mais nous, là, on n'est pas, on est pas GPS. Mais il ne faut pas prendre les gens du GPS pour des cons. Il ne faut pas les prendre pour des cons. Tu veux partir, mais il faut aller dans la paix du Seigneur. Tu connais la vérité. Ton passeport, là, ça se passe comment? Quel est ton état d'esprit? Il ne m'a jamais rappelé depuis que j'ai quitté chez lui. Pour savoir comment ça se passe. Quelqu'un chez qui je suis descendu, j'ai perdu mon passeport. Mon passeport a été volé là-bas. Il ne m'a même pas appelé pour prendre mes nouvelles. Et ce sont ces personnes, on dit, ce sont des gens de GPS. Ce sont ces personnes, on dit, ce sont des gens comme on appelle, qu'on mène le combat. Dieu seul sait le combat que moi j'ai mené. Quand Ben Souk a été arrêté, je vais parler haut, je vais parler fort. Ça va rentrer dans le yiring de tous ceux qui veulent entendre. C'est gâté, hein, c'est gâté, mes frères, c'est gâté au GPS. C'est gâté. C'est gâté, hein, c'est gâté, mes frères, c'est gâté même. C'est gâté. Ben Souk. Ben Souk est un alibi. Ben Souk, il est aujourd'hui un alibi pour la guerre de détruire le GPS. C'est un alibi. Je suis descendu, j'ai perdu mon passeport. Mon passeport a été volé là-bas. Il ne m'a même pas appelé pour prendre mes nouvelles. Et ce sont ces personnes, on dit, ce sont des gens de GPS. Ce sont ces personnes, on dit, ce sont des gens comme on appelle, qu'on mène le combat. Dieu seul sait le combat que moi j'ai mené. Quand Ben Souk a été arrêté, je vais parler haut, je vais parler. C'est Satan qui sait le combat que tu as mené. C'est Satan qui sait le combat que tu as mené, c'est pas Dieu. Aujourd'hui, quelle confiance, moi la guerre. C'est Satan. C'est Satan qui sait le combat que tu as mené. Dieu ne sait pas le combat. Comment que tu mènes là? Ce combat. De détruire d'après Ménécré, ce combat de détruire que tu mets sur la toile là, Dieu ne sait pas ça, c'est Satan qui sait ça. Voilà pourquoi mais Ben Souk il a eu peur de Satan. Ben Souk a eu peur de Satan parce que tu es Satan, parce que toi tu as prié, tu as mûri pour que Amadou Koulibaly puisse mourir dans son état dans sa convalescence. Tu as prié, tu as mûri, tu as appelé les hôpitaux parisiens pour que Amadou Koulibaly puisse mourir de stress dans sa convalescence. C'est Satan, tu loues. Et comme le karma que tu veux mettre en place là, c'est un karma qui te mélange le cerveau. Tu vas devenir folle, la guêpe. Tu vas devenir folle. Parce que tu ne veux pas chercher à vouloir nuire à autrui et puis vouloir avoir une vie paisible. Ta chance, tu as le passeport américain. Ta chance, tu as le passeport américain. Voilà pourquoi tu as la grande gueule. Voilà pourquoi tu as la grande gueule. C'est Soro qui ne vous connaît pas. C'est Soro qui ne vous connaît pas et puis il vous fait confiance. C'est Soro qui ne te connaît pas et il t'a fait confiance. Et on sait pourquoi tu étais là-bas. À cause du commandant Fofana avec qui tu flirtais. C'est à cause du commandant Fofana là. C'est à cause de lui que tu étais au GPS. C'est avec lui que tu flirtais. Depuis qu'il a été mis aux arrêts là, tu as commencé à prendre ton côté gauche. Tu as commencé à défendre ton pays d'origine, qui est la Guinée, qui est le Mali. Et avec ça, c'est toi qui as venu te jouer les donneurs de leçons. C'est toi qui as venu traiter nos autorités de n'importe quoi. Adola, ce n'est jamais vos camarades. À la fin, on va être là. Si on dit qu'il y a pèlerinage pour aller, pour se prosterner au pied d'Adola, tu vas voir du monde, des milliers d'Ivoiriens vont aller faire pèlerinage chez papa à la fin, on va être là. Des milliers d'Ivoiriens vont faire pèlerinage. Des personnes que vous êtes dans le même parti politique, qui sont supposées te protéger, ce sont ces personnes-là qui sont prêtes à te nuire, qui sont prêtes à te tuer, qui sont prêtes à t'éliminer. Donc, au GPS, on est prêt à tuer les gens. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, au GPS, là, les gens sont prêts à tuer les gens. Donc quand on dit ce sont des tueurs là-bas, là, vous dites que c'est faux. Quand on disait que les gens, ils ne sont pas clairs, vous dites que non, vous mentez, c'est faux.
elle-même la guêpe, qui était au sein du système GPS, elle nous dit que les gens sont prêts à tuer. Ils sont même prêts à se tuer entre eux. Ce n'est pas des gens qui sont contre eux qui ne vont pas tuer. Si elle dit qu'ils sont prêts à se tuer entre eux là-bas, ce n'est pas autrui qui ne vont pas tuer. Suivez. Ce sont ces personnes-là qui sont prêtes à te nuire, qui sont prêtes à te tuer, qui sont prêtes à t'éliminer pour elles-mêmes leurs propres intérêts. Donc ils sont prêts à éliminer les gens. Ils sont prêts à nuire, à discréditer. Depuis que j'ai quitté la maison de Ben Souk, je suis très dessus de ce monsieur. Oui, je suis très dessus de lui. On vous a dit, les membres du GPS, ils sont des dangers permanents. Vous nous dites, non, moi ici la guerre, ici la guerre. Maintenant tu dis, ces personnes que nous on a jugées nuisibles à l'État ivoirien, ces personnes que nous on a jugées nuisibles, sont prêts maintenant, toi tu dis, ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à dénigrer. Ils sont prêts à faire quoi que ce soit. C'est pas ce qu'on disait ici, que le GPS a mis en place un système pour détruire Abidjan, pour discréditer le pouvoir d'Abidjan. On l'a dit ici matin, midi, soir. Les gens ne veulent pas nous écouter. Aujourd'hui, c'est comme ça se gâte là, ils vont venir maintenant raconter leur vie. Hein? Ce sont ces personnes-là. Comment vous pouvez comprendre? Comment vous pouvez comprendre? Des personnes que vous êtes dans le même parti politique. Ah bon? Qui sont supposées. Ah bon? Qui sont supposées. Mettez le cœur. Ce sont ces personnes-là qui sont prêtes à te nuire, qui sont prêtes à te tuer, qui sont prêtes à t'éliminer pour elles-mêmes leurs propres intérêts. Mais toi, c'est pas pour ton intérêt, tu faisais ça? C'est pour ton propre intérêt. Aujourd'hui, ton intérêt est menacé. Le commandant Abdullah Fofana a été pris. Tu ne gagnes plus. Tu n'as plus de perdiem. Tu n'as plus de virement. Et tu es prêt à virer pour aller faire vidéo politique pour soutenir Assimi Goïta. Tu es allé signer maintenant un deal pour soutenir Assimi Goïta en communication. Viens dire la vérité. Tu vas venir raconter des âneries. Et puis les gens sont en train de dire non, la guerre fait pitié. Ils ont volé son passeport. La guerre fait pitié. Mais arrêtez, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Elle ne fait pas pitié. Hein? C'est une manipulatrice. Hein? La guêpe, c'est une manipulatrice, une menteuse hors pair. Elle ne fait pas pitié. Hein? Ne reste pas là. Non, la guêpe fait pitié. Ils ont failli. Non, la guêpe fait pas pitié. Hein? C'est une manipulatrice. C'est une sorcière. Écoutons cette vidéo. Toujours, oui, lui l'a dit ça. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire comme nous? Quand c'est pas bon, là, tu t'assois devant tout le monde, tu parles. Si tu te fais confiance. Écoutez-moi. Donc, ce n'est plus Ado qui tue. Hein. Elle-même, elle a confirmé, avant qu'elle poursuive, là, partagez la vidéo. Partagez-moi ça, s'il vous plaît. Donc, ce n'est plus Ado qui tue. Ce n'est plus Ado qui est prêt à vous nuire. Maintenant, vous venez nous dire la vérité. Donc, vous venez nous dire la vérité que ce n'est plus Ado qui veut vous tuer. C'est vous-même, au GPS, vous voulez vous tuer. Ah, la vérité commence à sortir. Toi-même, Azadi, après tout ce que Soro a fait pour toi, quand il dit fait pour toi, là, Soro il t'a donné place même tout. C'est gâté, partagez la vidéo, c'est gâté au GPS, c'est gâté. C'est nous là, les Satan 2 là, c'est nous sur les réseaux. Quand on voit transformer un dossier comme ça là, c'est nous on envoie Satan 2 dessus. En bas, qu'il y a une cabouille. Partagez. Si c'est pas nous-mêmes là, quand on a fait capture pour s'envoyer là, mais c'est manque de respect. Et puis, quand à tous ceux qui vont vouloir se comporter comme elle, là, et puis vous, là, vous ne respectez pas les cyberactivistes. Ce n'est pas bien. Ah, d'abord, hein? Bah, nous, là, nous, on est plus en danger, plus que vous. C'est gâté au GPS. Vous pouvez rentrer dans des coins, là. Nous, on ne peut pas rentrer là-bas. Et puis, même si vous croisez quelque part, là, il faut éteindre ces caca-là. Parce qu'à Mandougou Fort, nous, on dit ce qui dérange. Donc, nous, là, on est plus en danger. Ce n'est pas vous, là, qui les vois. C'est gâté, mes frères. Partagez la vidéo. Il y a au moins 1000 noms dedans, mais il est incapable de mobiliser 10 personnes quand il y a une cérémonie. Ils ont signalé ma page. Il faut arrêter un grand jeune. Il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter. Ah, d'abla, quoi. Mortaque, c'est pas bon. Ah, d'abla. Sinon, vous allez penser qu'on vous manque de respect. C'est pas manque de respect, c'est la vérité. Ah bon? On est en train de dire votre catalogue là, c'est ça. Ah. Ben, toi-même là, ton nom est tellement gâté dans l'affaire là, c'est Dieu seul qui. On vous dit, c'est Ado qui est la solution. Ton nom est tellement gâté dans l'affaire. Vous ne comprenez pas. Je ne sais pas cacher mes trucs. Il te retient une belle Europe belle là.
On dit quand il y a mobilisation, normalement, si toi-même, si tu avais un bon fond là, c'est toi qui devrais être la maman de tous les mouvements ici. Mais quand tu vois quelqu'un sortir sa tête là-bas, tu dois mettre ton pied là-bas. Ok, tu as que deux pieds. Tu vois quelqu'un qui sort la tête là-bas, tu dois mettre pied là-bas. Tu mets ta main. Mais ça, tu ne peux pas arrêter tout le monde. C'est gâté. À partir d'aujourd'hui, il te responsable, peut-être tu vas te donner un nom là-bas, qui était ton responsable. Mais tu as la fête de ce rôle-là. Le jour Soro va venir. Et puis, il va vous dire quelque chose. Hein. Oui. Hey, tu es encore là. Écoutez. Ce sera mon mot de fin. Moi, je vais leur dire. Si elles ne sont pas un parti dans un parti là, si elles ne sont pas là pour leur image, pour leur image du jour d'hier là, je dis que ce qu'elles font là, c'est honteux. Et puis, c'est grave. Parce qu'il y a des signes là qui ne trompent pas. Parce que quand quelqu'un fait son propre parade là, il y a des comportements qu'on qu'il adopte. Quand quelqu'un fait parler d'un groupe là, il passe au groupe avant d'aller. Moi, c'est mon dernier mot. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Voilà. Parce que ce comportement de venir régler vos différends sur les réseaux sociaux là, ça montre que moi là, on ne fait pas 6 mois. Moi là, on ne dit pas ça 6 mois. Moi là, je peux venir parler du gros et du n'importe quoi. Moi, ce qui ne concerne pas le parti, moi, ils m'en foutent de ça. Hein. Les différents des personnes, ça s'en fout là-bas. Mais tout ce qui va concerner Blindé et moi, et puis ça va toucher chez PS là. Si moi, je ne peux pas appeler Soulé, si je ne peux pas appeler Ibra, si je ne peux pas appeler le CENI pour régler ça là, c'est ce Facebook qui est venu faire ça là. C'est que je m'en fous de mon parti. C'est ma personne qui compte. Et puis vous allez voir, dans vos cérémonies là, on ne va plus aller filmer là-bas encore. En t'étant Mouroshi, en t'étant Nana, tout le monde à faire filmer tout le monde. Tant que Bébéto il n'est pas là, là, on ne va plus venir dans quelque part encore. Ah, maintenant, tant que Bébéto n'est pas assis quelque part là, il dit ouais, venez là. En t'étant Mouroshi tourné. Tant que Soro Gyo, tant que ce qui m'intéressait, tant que Soro Gyo n'est pas installé dans un endroit sur Paris, eux là, ils vont plus aller dans le rassemblement des GPS. Tant que Soro n'est pas assis quelque part, ou eux-mêmes ils voient Soro Guillaume là, ils vont plus aller s'asseoir quelque part pour faire Talakou. C'est gâté au GPS, c'est gâté mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Si GPS là, merci. Ils n'ont qu'à arrêter et les publicités propres. Voilà. Sinon, si on veut faire ta page, dans nous, on sait comment faire ta page. Voilà, il suffit de dire qu'il y a avion qui a plongé dans le couloir. Voilà. Il suffit de parler de vulgarité, de faire des choses qui amusent la galerie. C'est tout. Voilà. On peut que moi, mais je peux créer plus. Je peux dire demain la télé, je suis parti au RDP. Et puis ça va faire des polémiques. Et puis c'est des gens, oui, on me coupe après au RHDP, hein, c'est parce que je ne veux pas partir, il faut partir, allez-y. Mais quand tu dis que tu as un même là, tu as l'impression, vous allez partir, et puis au delà là, t'as Et puis non, le RHDP, c'est le meilleur parti d'Afrique. Non, si je vais là-bas, même pas de Côte d'Ivoire. Ils ont cassé des dossiers sur ce rôle-là, ça n'a rien changé, parce que nous, on est là. Vous dites quelqu'un va quitter Soro pour aller au RHDP là, ça n'effraie personne. C'est Soro même qui nous donne nom. Guillaume là, c'est lui qui donne nom à ses militants. C'est pas nous on donne nom. Donc vous pouvez partir. Ton patron est parti. Il y a qui? Il y a les. La guêpe s'en va. La guêpe s'en va. Les grumiers, Alain Le Gognon là. Et puis il y a qui encore? Et tous ceux-là sont partis. Ils sont encore là-bas. Ils sont dans le garage. Ils sont couchés maintenant même dans les ministères là. C'est gâté, mes frères, faites la vidéo. C'est à cause de ça, là, tu as quitté Soro. Tous les Tanzeri, là. Tanzeri qui a déjà fait photo avec Alassane, là. Elle, aujourd'hui, elle est suivante. Elle prend produit. Je sais, quand il la voit même de lui, même dit qu'il t'approche pas. Tellement elle est devenue transparente. Tellement avec tout le monde. C'est vous là qui allez sortir, frère. Ah, il aime l'aider. Et puis vous qui êtes au pays là-bas, là, les gens vous blaguent avec les billets de 100 euros, là, vous allez vous mettre dans le problème. Hein. Vous allez vous mettre dans le problème. Parce que cela ne peut pas vous aider. Je vous dis ça. Au TCK, de mes cas, au là, on vient le problème là. Laissez, nous qui vivons ici, là, quand il y a problème et puis quelqu'un vous appelle, faites vidéo, faites poste là, réglez ça entre vous là-bas. En Bengis, vous réglez en Bengis. Mes frères et sœurs, la situation, elle est claire. La situation, elle est indéniable. Aujourd'hui, Soro Kibaforigo ne se fait pas voir, Soro Kibaforigo ne fait pas signe de vie.
Donc, ces militants qui sont là, ils sont tellement affamés. Aujourd'hui, ils voient que véritablement, ils n'ont plus de gagne-pain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des situations comme ce que la guêpe vient faire sur la toile pour monter un film, pour faire croire qu'elle est arrivée au Mali pendant son séjour et un membre du GPS a volé son passeport pour lui créer des problèmes. Or, pourtant, son passeport n'a jamais été volé. Elle détient son passeport. Elle est rentrée dans un film pour les accuser, pour pouvoir quitter le GPS, pour pouvoir soutenir son pays d'origine qui est le Mali, Assimi Goïta et autres. C'est tout. Donc, il faut créer de... Il faut se donner de la contenance alors qu'elle n'est rien du tout. Une go mestingule sans viande, sans chair. Une go d'entra aux États-Unis. C'est elle qui avait nous dit que l'État américain a pris 3 heures du temps pour l'établir un passeport en pays étranger. L'État américain a pris 3 heures du temps pour établir un passeport américain à l'étranger pour le lui remettre comme si elle était véritablement dans une situation impérieuse. Alors, rien du tout, rien de cela. C'est une menteuse hors pair, une mytho. On sait que on peut établir un laissez-passer vite fait lorsque tous les renseignements ont été pris. Lorsque on prend tes empreintes, on sait que tu es un citoyen américain ou un citoyen français. On te demande si ton voyage est pressant, on te donne un laissez-passer. Paf, avec un billet d'avion, tu vas à l'aéroport, tu t'en vas. Arrivé aux États-Unis, tu as tout le temps de faire ton passeport. Arrivé en France, tu as tout le temps de faire ton passeport. Mais si tu arrives en Côte d'Ivoire, tu veux faire 6 mois, 3 mois, là, on te demande de venir faire un nouveau passeport. Et ça va prendre le temps légal, comme d'habitude. Mais elle va venir mentir pour pouvoir attaquer ses propres gars du GPS pour partir. Mais tout ça là, nous-mêmes là, ça, on est content de ça. Parce que Soro même devait comprendre, Soro Guillaume devait comprendre que ceux qui l'aiment sincèrement, ce sont les membres du RADP. Ceux qui t'aiment là, toi Soro Guillaume, ce sont ceux du RADP. C'est parce que tu as été trop pressé, tu as zaillé et qu'aujourd'hui, on vient tirer tes oreilles sur Facebook. C'est parce que tu as zaillé, tu as été trop pressé, tu voulais être président de la République très tôt. Voilà pourquoi tu t'es mis dans les problèmes. Et nous, on vient tirer tes oreilles. En réalité, là, c'est parce que nous, on t'aime qu'on vient, on n'est pas d'accord de ta posture, on n'est pas d'accord de tout ce qu'on a vu comme déstabilisation sur les écoutes téléphoniques. Mais vous nous avez pris pour des personnes non grata. Or, pourtant, on n'a rien contre vous. Vous êtes notre frère. Vous êtes nos soeurs. Nous, on n'a rien. Ado, il n'est pas là pour diviser la Côte d'Ivoire. Ado n'est pas là pour détruire les Ivoiriens. Ado est là pour rassembler. La preuve en est qu'il ne parle pas. Le papa Ado ne parle pas. Si Ado parle, c'est qu'on rentre dans la nouvelle année. Si Ado parle, c'est que c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Si Ado parle, c'est qu'il y a un problème qui touche la Côte d'Ivoire et non les individus. Ado ne veut pas parler des sujets qui touchent les individus. Ado, il ne gère pas la vie privée des gens. Ado parle lorsque c'est nécessaire. Et vous le traitez de rien du tout. Vous l'insultez, vous le dénigrez. Mais nous, Dieu nous a ouvert les yeux. Et Dieu nous a ouvert les yeux pour nous dire, Ado là, c'est l'homme idéal pour la Côte d'Ivoire. C'est l'homme idéal pour la Côte d'Ivoire. C'est lui qui va relever la Côte d'Ivoire. Et tous les pays de la sous-région seront jaloux. Et cette jalousie a déjà commencé via le Mali. Cette jalousie a déjà commencé via la Guinée. Cette jalousie a déjà commencé vers le Burkina. Parce qu'ils voient véritablement ce que Ado fait pour la Côte d'Ivoire. Eux, ils ne peuvent pas faire. Ado est un pays respecté et respectable dans le monde entier. Les Blancs, partout, luttent pour prendre photo avec Ado. Partout, les Blancs, quand ils croisent Ado, ils luttent pour prendre photo avec lui. Parce qu'ils sont étonnés du génie du bâtisseur. Ado veut construire des grands édifices, des grands immeubles de plus de 300 mètres. Et des gens viennent se plaindre. Comme le fait Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, il vient se plaindre parce que Ado veut faire des merveilles pour la Côte d'Ivoire. Il veut se plaindre. Or, pourtant, c'était des intellectuels. Mamadou Koulibaly, un intellectuel, qui vient se plaindre de ce que Ado est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Mais ça fait pitié. Quand vous n'aimez pas, quand vous n'aimez pas quelqu'un, hein, vous êtes prêt à le détruire. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous êtes prêt à le détruire. Pourquoi? Pourquoi faites ça? Pourquoi faites ça? Aujourd'hui, là, je vous jure,
Je sais que Soro Guillaume, il regrette. Je sais que Soro Guillaume, notre grand frère, il regrette en ce moment-là d'avoir été pressé. Il regrette. Il regrette. Mais c'est trop tard. Voilà. Il se dit que c'est trop tard peut-être. Voilà. Écoutons. Monsieur Mamadou Coulibaly a dit que le président Alassane Ouattara sera en train de... j'ai regardé une vidéo dans laquelle l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Mamadou Coulibaly, a dit que le président Alassane Ouattara serait en train de construire un immeuble de plus de 300 mètres et que c'est inutile. Oui, il a dit que le président Alassane Ouattara est en train d'endetter la Côte d'Ivoire, mais que l'immeuble de plus de 300 mètres que le président est en train de construire au plateau là, ça n'avait pas lieu de voir le jour. Parce que ces grands immeubles, la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Oui, Mamadou Coulibaly a dit dans sa vidéo que les grands immeubles, la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. D'ailleurs, immeuble de 300 mètres, là, demain, si en haut, là-bas, il y a feu, là, est-ce qu'il y a un sapeur-pompier qualifié pour aller éteindre ce genre de feu et que ce sont des dépenses inutiles? Mais moi, je voudrais répondre au grand frère Mamadou Coulibaly. Je comprends un peu maintenant que, vraiment, grand frère, tu vaux rien. Oui, grand frère, oui, tu vaux rien. Et quand tu parles comme ça, vraiment, nous qui avons un peu d'estime pour toi, là, mais on se décourage de jour en jour. Comment tu peux dire la construction d'un immeuble de plus de 300 mètres, c'est inutile pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui sera utile pour la Côte d'Ivoire actuellement? Et alors, quand même, soyons... Mais vous avez venu trouver ce que vous voyez à réaliser et vous êtes parti pour laisser, vous n'avez rien ajouté. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est en train de construire la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est en train de développer notre pays. Des routes par-ci, des ponts par-là. Les poumons et plateaux seront reliés. Bientôt, il y aura un pont pour relier Cocody et Plateau. Un autre pont pour relier Bassam et Benjeville. Voilà. La Côte d'Ivoire est en train d'être construite. Alors, la tour que le président Alassane Ouattara veut construire au plateau là, mais ça va embellir l'image de notre pays, que nous ayons un bâtiment de plus de 300 mètres. Alors, grand frère, en tout cas, vraiment, moi, tu me décourages. Le peu d'estime que nous avons pour toi, chaque jour, tu nous décourages. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Un intellectuel comme toi... Voilà des intellectuels qui étaient restés aux côtés de Gbagbo. Voilà des intellectuels qui étaient restés aux côtés de notre papa Gbagbo. Mais comment la Côte d'Ivoire allait avancer? Ils nous parlent le Prado endette la Côte d'Ivoire. Mais le Prado endette la Côte d'Ivoire pour faire de belles choses, de belles réalisations. Le Prado n'a pas endetté la Côte d'Ivoire pour construire des monuments aux morts. Le Prado n'a pas endetté la Côte d'Ivoire pour construire des monuments aux morts, à des carrefours, à Abidjan. Il n'y a pas de monument aux morts que le Prado a pris crédit pour aller faire des monuments à des carrefours. Non. Le Prado, même s'il endette, comme vous le dites, mais il le fait si bien. Il n'endette pas le pays pour acheter des RAV4 pour donner aux copines. Il n'en a même pas, il n'a pas de copines. Il est fidèle à notre maman, Fanta Ben. Il n'est même pas dans votre affaire de payer RAV4 pour donner aux copines. Seul le travail paye. Aujourd'hui, plein de militants se plaignent parce que c'est dur financièrement. Parce que Alassane Ouattara, il n'est pas complaisant. Il n'est pas dans la complaisance. Il est là pour travailler pour les Ivoiriens, pour bâtir la Côte d'Ivoire. C'est dur, mais ça ira demain. C'est dur aujourd'hui pour la génération, mais ça ira demain pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ça ira mieux. Il n'y a pas de développement sans problème. Tant qu'on est dans le développement, la génération qui est présente aujourd'hui va sentir les difficultés. Mais dans l'avenir, il aura du beau vivre. Dans l'avenir, nos enfants, nos petits-enfants vont rigoler, vont profiter de ce que Alassane Ouattara fait aujourd'hui. On ne peut pas développer un pays sans souffrance. On ne peut pas développer un pays et puis manger l'argent du beurre et le beurre en même temps. Non. Il faut toujours des sacrifices. Et nous sommes des sacrifices aujourd'hui. Nous sommes des sacrifices de ce que Ado fait pour la Côte d'Ivoire. On doit accepter de souffrir maintenant et demain de rire. On doit accepter de souffrir maintenant et demain de sauter, de danser. Parce que aujourd'hui la France est développée. Ce n'est pas Macron qui développe la France. La France est développée. Ce n'est pas Hollande qui a développé la France. C'est les parents, les grands-parents de Macron, les grands-parents de Hollande qui ont permis de bâtir la France. Et aujourd'hui, ils viennent au pouvoir.
Ils ne font que réhabiliter certaines choses. Ado en train de bâtir la Côte d'Ivoire. Et demain, quand nos enfants deviendront présidents, ils vont venir embellir ce que Ado a fait avant de partir. C'est ça, Ado. Ado, il n'est pas là pour vous traquer. Ado n'est pas là pour faire la chasse à l'homme. Là, Ado n'est pas là pour s'ingérer dans vos vies quotidiennes. Ado est là pour que vous soyez heureux d'être Ivoirien. Vous soyez heureux d'être Ivoirien. Vous soyez heureux de vivre en Côte d'Ivoire. Parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire dans tout le monde entier. On parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans, aux États-Unis partout à cause d'une personne formidable qui est le président Alassane Ouattara. Et vous ne pouvez pas venir le détruire. Vous ne pouvez pas venir le vilipender. GPS, les gars et autres, vous allez le vilipender, le maltraiter et demain, c'est vous qui allez venir regretter. Aujourd'hui, on se rappelle très bien dans le temps, le FPI est en train de salir Oufo Boigny. Le FPI est en train de salir Oufo Boigny dans les années 90. Le FPI salissait Oufo Boigny. Mais aujourd'hui, Oufo Boigny n'est plus de ce monde. Ce même FPI, PPACI, ils prennent exemple sur Oufo Boigny. Ils disent, oh, non, Oufo était bien. Aujourd'hui, là, comme Oufo n'est plus là, ils disent que Oufo est un exemple. Ils prennent l'exemple sur Oufo Boigny. C'est ce qu'ils feront demain. Aujourd'hui, quand demain Ado ne sera pas là, ils vont venir prendre exemple sur Ado. C'est méchant. C'est méchant. Et tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du GPS, ça ne nous étonne pas. On sait que ça va arriver. On sait qu'il y aura une guerre de Kirina au GPS. On sait qu'il y aura une guerre de Kirina au GPS. Parce que c'est ce truc qui peut. Les gens cherchent leur gagne-pain. Ils cherchent à manger. Et ils sont allés comme Soro Guillaume donnait des perdièmes. Ils sont allés là-bas. Ils ont afflué tous là-bas pour avoir des perdièmes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'argent au GPS. Personne ne finance leurs activités. Il faut trouver maintenant des grimpins quelque part. Et en voulant trouver des grimpins, il faut salir le parti. Il faut salir le parti pour dire que tel proche de Soro Guillaume n'est pas bien, Ben Souk est mauvais, et les ceci, pour que le parti soit sali, pour qu'il puisse aller ailleurs. Et ça, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui va élever Alassane Ouattara. C'est Dieu qui va élever cet homme. Les gens ont sali Ado. Ils n'ont pas été reconnaissants vis-à-vis d'Ado. Ils ont été ingrats. Voilà pourquoi, depuis ce temps où il y a eu l'ingratitude sur Alassane Ouattara, j'aime pas l'ingratitude. Quand je vois, je me rappelle que Ado, il y a eu l'ingratitude sur lui, je suis prêt à combattre, à soutenir ceux qui subissent l'ingratitude. Voilà pourquoi vous me voyez dans d'autres sujets. Parce que dès que j'ai vu Ado, Oufo Boigny l'a appelé pour venir redresser l'économie ivoirienne. Oufo Boigny l'a appelé, il a fouillé dans toute la Côte d'Ivoire. Il n'y avait personne pour réduire, pour redresser l'économie ivoirienne. Il allait prendre le fils du pays qui a la Sangatra depuis les États-Unis pour venir redresser l'économie ivoirienne. Ado redresse l'économie ivoirienne. Il met tout en place économiquement parlant pour avancer la Côte d'Ivoire. Et après la mort d'Oufo Boigny, on n'est pas reconnaissant vis-à-vis d'Ado. On est ingrat. On le traite d'étranger. On le maltraite. On le traite de choses. Ça faisait pitié. Ça faisait pitié. Et on voit Ado était maltraité. Non, tu es étranger. Non, tu es ceci. Aucune reconnaissance par rapport à ce que Ado a fait. Ça s'appelle l'ingratitude. Et moi, j'ai horreur de l'ingratitude. Et je vais combattre l'ingratitude sur la toile. Sur ce, je n'ai pas que fraternité. Ciao, ciao.